Commencé à se plaindre. Je devais l'amener normalement à l'hôpital parce qu'il avait une douleur. Il m'a dit, ne m'amène pas à l'hôpital parce que le médecin est limité. Voilà pourquoi, bien aimé, le lundi, il va nous demander la fin de la musique. Il a fait ici de 7 ans, et qui fait 2015, mais où est-ce qu'il y a la matière déjà plus sur la culture de Dieu? Amen. Matière au banc de la bâle de ma, elle est basée à Kalikuna, la Katama, mais à Ekoja, Tana, et à Kosinsa, et à Kofan, et à Kosan, et à Kosan, et à Kikuna. Et à Kikuna, bah, il y a maman, oh, le mois, c'est le mois de l'autre. Dans le groupe qui est en train de se faire, si tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps.
I'm
Au nom de famille, mon Lamba, ainsi que Chokolou, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, nous vous disons merci. Merci pour votre présence en ces lieux. Merci d'être toujours là depuis que nos familles ont été frappées par les décès de notre bien-aimé Papa Chokolou Olamba Augustin. Et encore une fois, merci et un grand merci d'être là ce matin pour nous assister, pour assister à ces obsèques, pour assister à ces funérailles, pour assister à cette cérémonie. Nous vous disons un grand merci au nom de famille Olamba ainsi que Chokolou. Mesdames et messieurs, très rapidement, je vais vous donner les programmes de ces obsèques. Après, bien sûr, la sortie du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour son exposition, nous passerons directement à la prière qui sera suivie d'une courte prédication. Et juste après, nous passerons au témoignage. Et nous aurons besoin de 3 témoignages. Un témoignage pour les comptes de la famille, un autre pour les comptes de l'office de route, et enfin un témoignage pour les comptes des amis de notre papa Augustin. Et après les témoignages, viendra le tour de l'oraison funèbre. Juste après l'oraison funèbre, nous allons directement passer au dépôt de jarres de fleurs, suivi du recueillement. Et après le recueillement, mesdames et messieurs, nous allons encore une fois faire appel à l'homme de Dieu, au révérend pasteur Simon Maya, qui va prier pour l'aveu et pour la famille. Et après la prière de l'homme de Dieu, nous allons effectuer directement la levée du corps pour l'inhumation. Bien sûr, à la nécropole, une entre terre et ciel. Et juste après, mesdames et messieurs, l'enterrement, il y a un bain des consolations qui est organisé en la salle Falbop. C'est à Bandal. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais céder ce micro au révérend pasteur Simon Mbaya pour la prière d'ouverture qui sera accompagnée par une courte exhortation. Et nous accordons juste 15 minutes à l'homme de Dieu. Merci.
saluons tout le monde au nom de Jésus-Christ. Un petit moment, nous inclinons nos têtes pour la prière. Nous te sommes reconnaissants, le Créateur royal, le Seigneur qui rédit constamment. Tu es le maître du temps, le maître des circonstances. Ce matin éternel, sans la volonté de quiconque, tu as voulu nous réunir en ces lieux pour un événement. Un événement, ô Dieu, qui est en train de montrer l'accomplissement de ta parole. Tu as dit à l'homme, tu es poussière et tu retournes à la poussière. Nous voulons qu'en ce moment tu règnes en maître absolu. Toi qui as renouvelé les souffles de chacun de nous, nous voulons te porter au pinacle, nous voulons t'élever immensement. Tu es le seul qui a le bâton de commandement pour tout être, tout mouvement. Et nous voulons nous recommander entre tes mains. Dirige encore et tenez désormais la cérémonie jusqu'à la fin. Tu as commencé avec nous et tu es en train d'acheminer avec nous. Que ta main protectrice soit encore sur chacun de nous. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. La parole de Dieu déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de naître et il y a un temps de mourir aussi. Ce matin, nous voulons nous exhorter avec quelques petits mots. Vous allez remarquer ensemble avec moi qu'en bas de votre programme des obsèques, il y a un verset. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de le lire. Il est en train de nous concerner. Amen. C'est Apocalypse 14, 13. Pour les lecteurs de Bible, c'est à un certain moment où un monsieur appelé l'apôtre Jean était dans l'île de Patmos et le Seigneur avait permis qu'il lui montre des choses qui devaient arriver à la suite, parmi lesquelles un jour il a entendu une voix qui disait « Jean écrit, qu'est-ce que tu vas écrire ? Tu écris « Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Éternel, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car les œuvres les suivent. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, la mort est réservée à tout le monde, selon que la Bible déclare qu'il est réservé à chaque homme de mourir une fois, et après quoi, vient le jugement. Mais ma question était sur ce jugement, pourquoi? Parce que ce jugement et sur tout ce qui se passe pendant que l'homme est vivant. Parce qu'il est appelé un jour à mettre fin à la première vie. La nuit, nous étions en train de parler de la première vie. C'est cette vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Mais pour notre papa Augustin, sa première vie vient de terminer. Et là, il commence une autre vie. La deuxième vie, c'est après la mort, bien sûr. Mais ces écrits ne les concernent pas. Ces écrits les concernent pendant qu'il est vivant. Mais lorsque la Bible est en train de dire dès à présent, c'est maintenant, dès à présent, parfaitement, toi et moi, nous sommes appelés à ne pas négliger cet événement. C'est un événement qui n'a jamais été préparé avant. C'est un événement où on ne peut pas faire des invitations. On se retrouve. Parce que cet événement oblige tout le monde à être là. Et la Bible ajoute encore pour dire, c'est dans les maisons des deuils que nous devons nous rendre. Parce que là, chacun peut penser sur sa vie. Parce que quand on est en train de fêter, des fois on oublie qu'on est éternel. Non, c'est Dieu qui est éternel. L'homme est appelé à vivre une seule fois et à mourir aussi une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement, pourquoi? Parce qu'après la mort, l'homme doit être dans un état heureux ou un état malheureux. Je vais essayer un peu de parler un peu la nuit.
pour après la mort. Quelqu'un peut mourir heureux. C'est ça que Paul est en train de montrer lorsqu'il est en prison. Il a écrit une lettre aux Thessaloniciens à ce qui concerne les morts. Il a s'adressé à ceux qui étaient vivants pour qu'ils ne perdent pas de l'espérance, pour qu'ils ne demeurent pas dans l'ignorance de la mort. La Bible est en train de nous déclarer dans le livre de 1er Thessaloniciens, dans son quatrième chapitre, la parole de Dieu déclare, à partir du verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Autrement dit, de ceux qui dorment, qui meurent. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. La mort nous concerne tous. Vous allez remarquer avec moi que depuis papa nous a laissé ces afflictions sur la affliction. La femme qui est affligée. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas définir. Il y a des douleurs. Parce que l'un de nous, très cher, est parti. Et ça doit nous laisser dans l'affliction. Mais là, Paul est en train de dire, nous ne voulons pas que nous tous soyons dans l'ignorance au sujet de ce qui se passe. Afin que cela ne nous afflige pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est-à-dire, après la mort, il y a l'espérance. Même avant la mort, il y a l'espérance de vivre une vie heureuse dans la deuxième vie. J'aime quelque chose. Job est en train de dire que la vie de l'homme né d'une femme est courte. Courte et sans cesse agitée. Agité pourquoi? Parce que là, quand la personne meurt, la Bible dit dans Apocalypse 14, 13, qu'ils se reposent de leurs travaux. Les travaux qui n'ont jamais cessé depuis que nous sommes nés. À un certain moment, les travaux commencent. Il y a des travaux pénibles. Il y a des gens qui, depuis qu'il est né, il est en train d'être agité tout le temps parce qu'il fait se réveiller trop tôt matin. Il monte, il descend. Il peut avoir beaucoup de projets qui peuvent s'accomplir ou non. Mais ces travaux-là, la Bible appelle ça agitation. Vous allez remarquer qu'il y a des embouteillages. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses. Non, la vie de l'homme sur cette terre, avant sa mort, c'est l'agitation. C'est qu'il y a une vie quelque part. Là, on ne va pas travailler. Là, on va se reposer de travaux. C'est la première vie. C'est pourquoi j'invite tout le monde, dès à présent, comme la Bible le dit, commence à préparer sa mort. Parce que chacun de nous, là où il est, une mort est à côté de lui là. Aujourd'hui, c'est pas pour qui ça. Demain, ça sera. Moi et toi. Mais dis-moi, le pauvre Lazare, tel que le disait la nuit, avait préparé sa mort. Parce que lorsqu'il est mort, le riche, qui est à ses côtés, mort aussi, mais dans la deuxième vie, le riche n'avait pas préparé bien sa mort. Il est mort malheureux. Mais si on dit que les morts en Christ, ils sont heureux. Aujourd'hui, le sort de papa au Christ, il y a quel éternel qui peut aimer. Il n'y a quel éternel qui connaît. La première mort, c'est la fin d'une vie. Et le commencement d'une autre vie. Dans cette vie, le riche était heureux. Mais dans l'autre vie, après la mort, la Bible nous montre notre souffrance. Il était dans le tourment. Ma prière ce soir, après cette explication, que tu commences à prier par elle. Elle sera heureuse ou elle sera malheureuse. Mais la Bible nous donne la réponse. Que si nous mourons en Christ, nous mourrons heureux. Parce qu'il y a une vie après la mort, la deuxième vie.
la petite histoire de Lazare et de pauvre Lazare et des riches, on voit que de l'autre côté, je le répète, il n'y avait pas moyen de se fréquenter. Le riche ne pouvait pas quitter là où il était pour aller prendre place dans le sein d'Abraham et de Lazare. Mais il a commencé à crier à Lazare, à Père Abraham. Enfin, Père Lazare qui vient me donner même le couteau, parce que si je souffre cruellement, Abraham lui a dit non. Maintenant, là, ce n'est pas possible de quitter là où vous êtes venus. Mais je vais dire à un bien-aimé ce matin que maintenant, là, c'est possible que l'on change de camp, que l'on quitte un camp où il y a le malheur, malgré l'argent, malgré la richesse, mais il y a une vie qui est imposable à tout le monde. Être en Christ Jésus. Lorsqu'on est en Christ Jésus, ceux-là qui sont là déjà, nous, on ne sont pas en train de se distraire. Ils sont en train de préparer leur mort. Parce qu'un homme est resté le bébé mourir une seule fois. Et après, quand il y a le jugement. Le jugement, pourquoi? Le jugement, c'est que le temps que le Seigneur nous a donné, qu'est-ce qu'on en avait fait? Qu'est-ce qu'on en avait fait? Alors, ce matin, j'aimerais que cet événement nous interpelle. Bientôt, là, nous irons pour aller accomplir la parole de Dieu. Lui, il est parti. Ce n'est pas lui qui reviendra chez nous. C'est nous qui irons là où il est, selon que David le disait. Un jour, David avait beaucoup pleuré. Le jour où son fils est mort. Mais le jour où le fils est mort, on a trouvé qu'il était très bien habillé. Alors, on a posé la question, mais comment, pendant que l'enfant souffrait, tu portais les sacs en train de crier, de pleurer. Et maintenant que l'enfant est mort, tu es bien habillé. Il a dit oui. C'est maintenant moi qui irai là où il est. Il ne viendra plus ici. Alors je vais dire à un bien-aimé ce matin que la vie que nous avons n'est pas gratuite. Il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Pendant ce moment, nous pouvons traverser, quitter un camp pour mourir malheureux et rejoindre le camp pour mourir heureux. Pour ce matin, que l'Éternel vous bénisse. On incline nos têtes. Nous allons faire une prière. Père Saint, nous te sommes reconnaissants. Tout passera sous cette désordre, mais ta parole est éternelle. Laisse que tu parles encore davantage à nos cœurs. Moïse est en train de prier. Moïse disait, apprends-nous à compter nos jours pour qu'on applique nos cœurs à la sagesse. Ma prière, c'est que ce matin, tu nous accordes encore la sagesse pour que l'on sache préparer notre départ de cette terre des hommes. Tu as dit que oui, la vie de l'homme né d'une femme est courte et sans cesse s'agiter. Bénis tout un chacun, bénis tout le programme. Nous voulons que tu sois le seul maître de la continuité. Bénis tout celui qui est venu consoler la famille jusqu'à ce que le soir nous allons nous séparer. Que ton œil divin soit sous chacun de nous pour ta protection. Nous voulons détruire tout ce qui n'est pas de toi. Nous voulons éteindre nos armées. Que tu protèges tout ce qui va se passer. Que tu protèges la famille après la mort du responsable. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Merci beaucoup, cher révérend Simon Mbaya, pour cette belle prédication. Je me rajoutais un truc, mesdames et messieurs, parce que la mort, c'est le chemin sur lequel tout le monde ici présent passera, mais à chacun son tour. Comme l'a dit l'homme de Dieu, nous devons nous préparer, parce que après, bien sûr, cette vie, sur cette terre des hommes, il y a une autre vie qui nous attend de l'autre côté. Papa Augustin nous a juste précédé dans l'au-delà. Merci. On va continuer avec notre programme. À présent, nous allons passer, mesdames et messieurs, au témoignage. Et nous allons commencer par l'office de route. Et nous invitons Monsieur Kalembe.
Il a un témoignage à rendre à l'honneur, bien sûr, de papa Augustin. Et après, bien sûr, l'office de route, nous avons aussi besoin d'un témoignage de la part de la famille. Pouvez-vous manifester, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Courage à tous les membres de la famille Fleury. Si j'ai tenu à témoigner aujourd'hui, c'est parce que je garde un souvenir inoubliable de l'ingénieur Chukulu Moulamba, que j'appelais parfois Ya Augustin. Il est arrivé en Mbandaka en 95 avec toute sa famille. Aussitôt descendu de l'avion, installé à sa résidence, moi en tant que son collaborateur proche, je lui ai posé la question s'il pouvait accepter mon invitation à partager les dîners à la maison chez moi. Il a accepté. C'était vraiment un exemple de sociabilité. En second lieu, 2 ans plus tard, je vais obtenir une mutation de Mbandaka à Kinshasa, à mes frais. Et Ya Augustin m'a aidé à payer les billets d'avion pour mon épouse et 2 enfants, des petits. Et à me faire voyager à bord d'un bateau privé appartenant à un opérateur privé, un Indien. Et lors de ce voyage, j'étais accompagné de sa défunte maman. En troisième lieu, il aimait bien partager ses connaissances d'ingénieur avec moi. En 1995, un ouvrage sous route s'est abîmé à quelques 5 km de Mbandaka. C'était une batterie de bus. Et lorsqu'il a commencé les travaux de remise en état, de réhabilitation, il a fait l'objet de beaucoup de critiques de la part, notamment d'un prêtre catholique au cours d'une messe. Voilà, l'ouvrage avait une section de 6 mètres, cet ingénieur-là, il vient, il est en train de l'élargir. J'ai demandé à papa Aya Augustin pourquoi. Il me dira, nous avons fait l'étude du bassin versant, des courbes de niveau, Mbandaka est à 330 mètres par rapport au niveau de la mer. C'est comme ça que pour freiner la vitesse de l'eau, nous sommes obligés d'élargir le lit de la rivière. Et c'est grâce à lui que j'ai enrichi mes petites connaissances d'ingénierie. Voilà, je n'ai pas beaucoup à dire. Ce sont des faits qui m'ont marqué et qui ont fait que je tenais vraiment à témoigner ici. En plus, j'ai perdu de vue que, aussitôt arrivé à Mbandaka, il me demandera de faire inscrire son fils aîné en scientifique à l'école des fêtes des écoles chrétiennes. Et ce fils aîné, aujourd'hui, nous allons nous retrouver à l'Agence congolaise des grands travaux. Et j'ai contribué. J'ai, disons, formalisé son engagement, son embauche. Et aujourd'hui, le directeur, M. Blaise, il est là. Et en même temps, il est devenu aussi chef direct de mon fils, qui est aussi ingénieur. Voilà, mes amis, la vie, c'est ce qu'elle nous réserve. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa Kalembe. Nous invitons à présent
les directeurs du marché OR, bien sûr. Monsieur Mukuna, il a également un témoignage. Est-ce qu'on peut aussi l'encourager par nos affirmations? Merci. Merci. Mon prédécesseur venait de dire qu'il n'a pas beaucoup de choses à dire. Mais moi, je dirais que j'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Pourquoi? Parce que en 2004, quand je suis désigné assistant de l'administrateur directeur général, je rencontre en cette année-là, pour la première fois, Papa Choukourou, comme j'aime bien l'appeler. Et lui aussi, très respectueusement, m'appelait aussi Papa Alain. Donc, il ne tenait pas compte de l'âge. Quel que soit votre âge, il vous prenait vraiment en considération. Quand je regarde les photos, ça me rappelle beaucoup de choses. Beaucoup de temps passé ensemble avec lui, dans notre petit bureau d'assistant de l'administrateur directeur général, d'administrateur directeur technique plutôt, où nous avons passé pratiquement 5 ans ensemble. Et quand je suis arrivé là-bas, il m'a pris par la main, et comme l'autre, mon prédécesseur venait de le dire, il aimait bien partager les connaissances. Moi, je venais d'être désigné comme assistant de l'administrateur directeur technique. Il m'a beaucoup encadré à gauche, à droite, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut se comporter par rapport aux aînés, aux jeunes, ainsi de suite. Il m'a montré le chemin. C'est un peu comme on peut dire chez nous, un pandangila. Donc, quelqu'un qui a ouvert le chemin, il me l'a montré. On a travaillé pendant 5 ans ensemble et après, lui, il est parti, il a été désigné encore une fois assistant de l'administrateur directeur général adjoint, la DGA. Et moi, je suis allé à la direction des marchés. Et une année après, il m'a rejoint là-bas comme mon directeur. Et il a continué à m'encadrer et il m'a donné beaucoup d'exemples. Mais quand je regarde la photo, je voudrais revenir un peu en arrière. Quand nous étions, disons, chez l'administrateur directeur technique, nous avions une telle complicité. À tel point, quand je regarde la photo, les lunettes qu'il porte, la veste qu'il porte, la chemise, ça me dit beaucoup de choses. Nous avions l'habitude d'acheter des cravates ensemble et même la cravate qu'il porte, nous avions l'habitude de les accrocher, nos cravates, à un porte-manteau. Et quand nous avions des réunions, soit l'un ou l'autre portait la cravate et la cravate qu'il porte, nous la portions ensemble. Donc vous imaginez un peu, malgré son âge, nous avions l'habitude d'échanger des cravates. On a vécu une telle complicité que j'ai gardé beaucoup de bons souvenirs. Et comme je l'ai dit un pandagila, et nous étions un peu comme, on peut dire, dans une même équipe, dans une course, par exemple, de course de relais, il y a toujours quelqu'un qui est avant vous, qui appartient à votre équipe, qui court très bien, et après qui vous passe le relais. Quand il nous a rejoint à la direction des marchés, lui, il était évidemment directeur, et moi, j'étais chef de division. Et une année après, quand il a été désigné à d'autres fonctions, il m'a passé le relais que je garde encore à ce jour. Peut-être que je passerai certainement à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai gardé de très bons souvenirs de lui. Et vraiment, je ne suis pas vraiment triste, je suis très heureux de suivre le bon exemple qu'il nous a montré et j'espère que je le partage aussi bien avec les autres. Donc aujourd'hui, je suis venu principalement pour lui rendre un vibrant hommage. Vibrant hommage pour tout le meilleur qu'il a donné à mon cadran, pour qu'aujourd'hui on a parlé de son fils qui est directeur. Moi aussi, je me dis, je suis son fils. Parce que les habits qu'il porte, moi je les connaissais, on a passé beaucoup de bons moments. Et moi aussi, comme son fils directeur à la CGT, moi aussi je suis directeur à l'office de route. Et je crois que tout ce qu'il touchait était béni et je lui rends vraiment un vibrant témoignage. Au lieu d'être triste, nous devions être plutôt dans la joie parce qu'il a laissé derrière lui de bonnes choses. Et comme la Bible dit, que les bonnes choses, que les bonnes œuvres nous suivent après la mort. Et ma prière, c'est que ces bonnes choses, ces bonnes œuvres qu'il a partagées avec plusieurs d'entre nous, puisse le suivre et que vraiment son âme repose en paix. Et en ce jour, je ne pouvais pas me taire, il me fallait vraiment rendre hommage et dire merci à Dieu qui nous a donné Papa Choukourou. Je vous remercie. Merci. On va continuer avec le témoignage. Et à présent, nous invitons K. Bernard Molamba pour les comptes de la famille. Encourageons-les également par nos acclamations. Merci pour la parole que vous passez à cette occasion.
je trouve que la famille m'a fait un grand honneur pour que je puisse prendre cette parole. Je n'ai pas un long témoignage, contrairement à mon frère qui vient de passer. Je vais juste dire quelque chose de Kachukuru. Kachukuru, c'est mon cousin, comme nous le disons en français. Chez nous, nous disons c'est mon grand frère. Lorsque lui est né au village, nous on est né à Kindu. À Kindu, on ne se connaissait pas comme des frères. Tout jeune au collège, lui venait de terminer ses études secondaires et il a été engagé provisoirement à l'école des sœurs comme secrétaire. Il aimait tellement bien son travail qu'il était beaucoup apprécié aussi bien par les sœurs que par les élèves. De sorte que ses élèves, de l'affection qu'elles avaient vis-à-vis de lui, parce qu'il voulait mettre tout le monde à l'aise, elles avaient même composé une chanson pour Kachukuru, disant que c'est notre secrétaire, il faut le protéger. Je ne vais pas chanter ici parce que je suis très ému. Alors, on se sépare à Kindu, on vient se rencontrer à Kinshasa. À Kindu, on ne se connaissait pas très bien comme des frères. Alors à Kinshasa, il est à l'IBTP. Et nous nous rencontrons chez une tante. Sa tante, ma tante. C'est alors que je découvre que c'est mon grand frère. Et depuis lors, on ne s'est pas quitté. Je peux dire qu'il ne m'a pas quitté. Kachukuru, c'est un homme qui avait beaucoup d'amour. Un homme qui avait beaucoup d'abnégation. Alors, à partir de ce moment-là, on était tout le temps en contact. Il n'y avait pas de moyens de communication comme aujourd'hui, mais il m'envoyait des messages de sorte que, presque chaque week-end, il fallait que je vienne le voir. Il était à l'IBTP. Les autres, mon prédécesseur, comme le premier, a dit qu'il aimait bien son travail, il aimait partager ses connaissances. Moi, je vais vous dire que dans le partage de connaissances, dans l'application plutôt des connaissances, il était étudiant, si je ne m'abuse, en première année ou en deuxième année. C'est là qu'il a commencé à mettre en pratique ses connaissances en construisant une petite maison dans la parcelle familiale à Kinshasa sur l'avenue Itaga. Bon, voilà. Après, nous nous quittons. Kachukuru, il termine ses études, il est affecté, recruté à l'office des routes et envoyé au Nord Katanga, à l'office, je veux dire, au projet Nord Chaba, un projet des Américains pour la culture du maïs. Je vais en vacances à Kongolo, mais Kachukuru, moi qui suis son cadet, il n'attend pas que moi, en arrivant, je vienne le visiter, lui rendre visite et lui dire bonjour. Dès qu'il apprend que je suis là, c'est lui qui fait le premier pas pour venir me voir et me saluer. Et il en était ainsi sincèrement chaque fois que je partais en vacances à Kongolo. Et respectueux qu'il était, moi je suis son jeune frère, il ne m'appelait pas par mon nom. Rien du tout. Il m'appelait toujours Pas Bernard. Toujours Pas Bernard. Et cela a fait que beaucoup de membres de ma famille, à partir de là, que beaucoup m'appellent tantôt Pas Bernard, tantôt Ka Bernard. Kachukuru, il était soucieux du bonheur des autres. Nous sommes toujours à Kongolo. Un jour, on vient nous alerter pour dire que mon frère était en bagarre avec un groupe d'hommes au camp. Au camp CFL à l'époque, qui est devenu camp SNCZ. Nous courons vite là-bas et nous le trouvons fracturé au bras. Nous l'amenons à l'hôpital SNCZ. Il n'y avait pas tout le nécessaire, juste une attelle. Et Kachukuru le prend dans son piquet.
pour aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on dit non, le médecin est parti, comment dirais-je, à l'intérieur. On attend qu'il revienne demain. Demain, le médecin arrive, il dit non, ce n'est pas une fracture, c'est plutôt une fissure d'os. Une discussion s'engage entre Kachukuru et le médecin, qui lui dit, moi j'ai vu c'était une fracture. La discussion, il campe sur son camp, le médecin campe sur son camp, à lui dire, si nous laissons cet enfant comme ça, il risque d'avoir une infirmité au bras. Il sort sans nous dire quoi que ce soit pour aller chercher quelqu'un. On lui indique un homme qui faisait de la médecine traditionnelle. Il nous prend avec mon père pour aller voir cet homme-là. Il dit, oui, je peux le soigner. Alors Kachukou nous décide et dit à papa, nous n'allons pas le laisser là, nous le prenons pour aller à la maison. Cet homme va le soigner à la maison. Contre la volonté des médecins du corps médical, Kachukou a décidé que nous le prenions pour aller à la maison. Le monsieur a soigné mon jeune frère à la maison et je vous dis, à peu près 2 semaines après, il était complètement guéri de cette fracture-là. Kachukuru, c'est un homme qui avait l'amour du prochain. Un homme qui avait l'amour du prochain, je viens de donner un exemple ici. Alors, après la mort de son père, c'est lui qui est devenu le père de famille. Il n'a pas fait de distinction entre les membres de famille. Ses sœurs, ses frères, ses enfants, il les considérait tous de la même manière, de sorte qu'il avait valablement remplacé son père pour élever ses enfants et ses membres de famille. Bon, voilà. C'est à peu près ça. Je n'ai pas trouvé la peine de pouvoir écrire. Il est certain que lorsque je vais m'asseoir, je vais me rappeler d'autres qualités de Kachukuru, hein, que je n'ai pas énoncées ici, mais en vérité, c'était un homme très bon. Merci, cher frère. Bon, voilà. Merci. Nous allons quitter cette étape de témoignage pour passer à une autre. Il s'agit bien sûr de l'horizon funèbre et nous invitons sans plus tarder Kaka Ete Molichi. Nous invitons Kaka Ete Molichi pour la lecture de l'horizon funèbre. Est-ce qu'on peut encourager également par les acclamations, encourageons Kaka Ete, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à vos titres et qualités respectives, chers parents, chers frères et sœurs, il est difficile de prendre la parole dans les circonstances d'adversité. Qui plus est, après des témoignages si pertinents et si profonds, on aurait l'impression que notre monde est vidé de toute quintessence. Mais la réalité du personnage que nous plairons aujourd'hui, que nous appelons affectueusement Kachukuru, ne nous offre pas la capacité de les circonscrire
en une journée des obsèques, mais encore dans un monde de circonstances comme celui-ci. Oui, la mort est la seule évidence de la vie. Pourtant, quand elle arrive, elle nous surprend toujours. C'est le passage inéluctable de tout être humain. Et la parole de l'Éternel Dieu dans Apocalypse 14, verset 13, d'ajouter, les passer là, c'est bien dit d'ailleurs. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, erez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Oui, Monsieur Augustin Chukwulu Mulamba Kawa était un grand homme. Les témoignages l'ont confirmé. Un grand homme dans toutes les dimensions de la compréhension humaine de ce terme. Il a été un homme de grand cœur et de grandes œuvres. Un homme plein de charité, de patience, de bienveillance, de persévérance. Un homme méticuleux et rigoureux qui avait pour idéal la perfection. Autant il a construit des ponts et des chaussées par son travail, autant il a construit des ponts dans la vie et a été un modèle pour une multitude. Il a été tellement proche de tout le monde, dans sa famille, dans ses relations, comme dans son travail, qu'il n'était plus souvent appelé papa, oncle, grand-père ou arrière-grand-père, mais plutôt et toujours Kaka Chukwulu. En commençant par sa tendre épouse, Madame Josie Mukanza, que nous appelons affectueusement Mayosi. Comment pouvait-il en être autrement pour cet homme qui se comportait toujours en frère, ou mieux, en grand frère, quelle que soit la personne qu'il rencontre. Quatrième d'une famille de 8 enfants, dont il est aussi le quatrième à quitter la terre des hommes. Il est né le 28 décembre 1948 à Lubongengele et nous a quittés aux premières heures du matin du 19 mai 2022. Il laisse une veuve et comme les témoignages ont dit, nous sommes tous ses enfants, donc plusieurs enfants, plusieurs petits-enfants et une multitude d'arrière-petits-enfants. Concernant son parcours professionnel, il est tellement élogié qu'il est difficile de tout dire en un mot ici. Cependant, nous pouvons juste dire qu'il a été engagé à l'Office des routes le 3 décembre 1974. Il a été plusieurs fois directeur provincial. C'est un homme qui connaît le Congo profond. Il a été dans toutes les provinces, dans toutes les zones linguistiques de la République démocratique du Congo.
et a terminé sa carrière par une mise à la retraite honorable le 23 mai 2017 au grade de conseiller au pôle matériel. Oui, Kakashukulu. Nos cœurs sont brisés, nos esprits ébranlés, nos corps abattus, nos plaies ont de nouveau saigné. Notre consolation réside dans le fait que tu as combattu le bon combat et que tu demeures pour nous un modèle. Pour tout ce que tu as été pour nous, nous te disons merci. Lusaka Efula, Aksanti, Matondo, Kasakidira. Et pour terminer, Ochula Kalolo, Pame. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer au dépôt de jarre de fleurs, suivi du recueillement même. Et sans plus tarder, nous demandons à la délégation de l'office de route de s'apprêter. Le PCA, s'il est là ou s'il est représenté, nous l'invitons. Nous invitons le directeur du marché de l'office de route. Nous invitons la DGM de l'office de route, ainsi que tous les agents, ces cadres de l'office de route. Prière de passer pour le dépôt de vos jarres de fleurs et en même temps pour vous recueillir. DJ. Thank you.
Nous demandons à la délégation de la jeunesse congolaise Et après l'agence congolaise de travaux, nous demandons à l'ONG, nous sommes très égales. ONG, Adaf, préparez-vous déjà. Nous invitons à présent la famille Moulamba Bernard. La famille Moulamba Bernard. Nous invitons à présent toutes les belles filles de la famille Moulamba. Toutes les belles filles. Après 2 ans,
Thank you.
Thank you.
photographe, caméraman. Oh, distraction. Distraction. La salle à l'arbre, on les camadino pour Massa, cameraman. Sécurité, ouvrez un jour le sac. Est-ce qu'il y a le petit-fils, Bakoko, qui veut aussi rendre un hommage, leur dernier hommage, leur grand-père? Voilà. Nous invitons tout le petit-fils de Papa Augustin. Bakoko Nyonso, Tolé. Thank you.
On peut nous amener maman Joséphine. Maman Joséphine, est-ce que vous pouvez avancer ici? Anna Mongo, calmez-vous d'abord, calmez-vous. Hein? Vous embrouillez un peu là. Ok. Amenez-nous maman Joséphine devant ici. Moment de silence, s'il vous plaît. À un certain moment, à la création,
là que l'Éternel s'est reposé. Mais nous voyons que il n'est pas resté dans le repos, il est revenu pour continuer ce qu'il avait commencé. C'est que l'homme à qui il avait donné toute responsabilité, l'homme qui devait dominer le monde, à cet moment, l'homme n'était pas content. Parce que l'homme s'était vu seul. Alors rien ne pouvait fonctionner tant qu'il était placé au-dessus de tout. La Bible dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il lui avait fait une aide semblable. C'est que tout a commencé par la cellule qui est la famille. La famille a été instituée par Dieu. Et que tout devait commencer par là. La parole parle aussi de la famille qui est constituée du mari et de la femme. Tant qu'ils sont ensemble, ils sont dans un lien. Là, nous allons faire une prière de détachement. Une prière de détachement, selon que la Bible le déclare. Deuxième livre de Paul aux Corinthiens, 7e chapitre, 9e verset. La parole de Dieu déclare que la femme est liée à son mari pendant que son mari est vivant. Et dès que le mari est mort, la femme n'est plus liée. C'est une prière de détachement. Là, elle devient veuve, et pas même l'âge. Et tous les rôles que papa faisait de son vivant, c'est le Seigneur qui va faire ça maintenant. C'est une façon légitime, une approbation divine, que nous voulons faire cette prière pour accomplir la parole de Dieu. J'aimerais que nous soyons tous debout pendant ce moment. Et je vais inviter aussi tous les enfants de papa Augustin et de maman Josée. Ils peuvent être tout autour de nous maintenant. Parce que le Seigneur est passé à une autre étape. Nous allons toujours nous incliner à la prière. Parce que la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Sa parole est posable à tout le monde. Vous maintenant demandez au Seigneur que tout ce qui est lié la maman à papa Augustin n'est plus. Ce mystère de la seule chair n'existe plus parce que le Seigneur a fait sa volonté. Mais seulement on appelle les dieux des veuves et les dieux des orphelins. On peut être orphelin de père, mais le Seigneur est là. Yaya, yeah, yeah. Tantine, on peut derrière maman, derrière maman, pas derrière maman. Nous allons recommander la maman entre les mains du Seigneur, tous ensemble, et demander une très bonne continuité de cette famille. Qui est plus ces liens-là, qui est lié dans le mystère de la seule chair. La maman est déliée maintenant de tout ce qui existait pendant qu'elle était attachée à papa. Et que le créateur royal se manifeste pendant ce moment que maman restait seule. Nous sommes en train de voir dans la Bible beaucoup de veuves qui sont restées sans mari. Mais l'Éternel était toujours là pour assister. Je me souviens d'une autre veuve qui avait perdu son mari, et que le mari avait laissé beaucoup de dettes, mais Dieu n'avait pas laissé cette maman avec des enfants. Elle avait payé toutes ces dettes-là juste à vivre une vie heureuse. Dis seulement quelques mots à notre Dieu pour que cela s'accomplisse maintenant dans la vie de notre maman, tout le reste des années que le Seigneur va lui donner. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Merci. Père Très-Saint, tu as toujours été derrière ta parole pour l'accomplir. Ce que tu ne peux pas faire depuis que tu es Dieu, c'est de ne pas accomplir ta parole. Oui, elle est absolue. Elle est la vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Nous voulons recommander maman maintenant qu'elle est déliée, qu'elle est détachée de tout ce qui l'a lié à notre papa. Nous voulons, Seigneur, que tu la prennes en charge, toi seul. Et nous savons que si tu as l'œil sur une de tes créatures, c'est la victoire. Nous voulons en ce moment aussi profiter pour recommander tous les bien-aimés issus de ce couple entre tes mains. Bien sûr, on va les appeler au
orphelin, orphelin de père. Mais toi, tu es le Dieu, le père des orphelins. Nous les recommandons tous entre tes mains, Seigneur, que tu continues à veiller. Que tu continues, Dieu le Tout-Puissant, à protéger. Maintenant et toujours, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous sommes, si vous pouvez rester debout, s'il vous plaît, parce qu'on a terminé avec cette cérémonie. Nous demandons l'assistance à toute l'assistance de ce lieu. Nous voulons effectuer la levée du corps. Thank you.
Allez, This is our will in a vision. Yeah, yeah, I'm not going to tumble. Salah on a telephone. Cindela on a telephone. Ngala tikali na 1000 francs. Ngala tikali na 1000 francs. Pesa na 1000 francs. 13 personnes ba Hollande c'est quoi? Balanda kana cimetière. Est-ce que na 1000 francs? Pesa na raison c'est là. Si fais à l'état les gars vous voyez que la banque au caca
Pesa maman. Chief. Le blanc comme le blanc se coupe pas ton nom. Masoa Pembe. Masoa Pembe. Est-ce qu'il me tocou ma corps en batouyani? Certainement. De revendre le bousso. Apparemment, il y a un autre. Qui t'a dit la bambouza?
Ils ont filmé direct, comme je suis. Les blancs, au point ça passe à dire la même chose. Chauffeur Azar Wapi, chauffeur Akaro Azar, toi avant ça, Galeza. Les autres, on a un marque. Yeah.
Chauffeur, on a des corps et c'est qui a démarré. Fala, on a des cookies. On a des gens. Grand chauffeur, on a des gens. On a des gens. Chauffeur, on a des gens. Trésor quoi? Oui. Les blancs. Ma libérée, on a noté. Je n'ai pas fait chaud. Je n'ai pas dit que 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 je n'ai Directeur Yohana Lekini. Bakayi. Chauffeur, n'a vu ça, c'est la soki nini. Ah, ça, les garçons, à peine balati la poste à Nina. Mama,